Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode de Adaptation mobile. Je ne sais plus où on est rendu, trop où dans ça. Je pense qu'on est rendu comme autour de la 16e. Autour de la 16e épisode déjà de Adaptation mobile. Fait quand même, on en a fait une coupe. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un programme double, en fait, pour ceux qui n'ont pas assisté au grand changement durant Montréal Joue, en fait. Maintenant, les mardis, on fait une heure où on teste des applications mobiles. Donc là, aujourd'hui, ça va être Pandémique qu'on va tester, tu sais, pour être concept. Puis après ça, en fait, l'autre heure, de 5h à 6h, en attendant que Sébastien entre en ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Kickstarter Café Hebdo. Et là, on jase de Kickstarter. Je vous parle des Kickstarter que j'ai trouvé cette semaine qui sont intéressants. On fait le tour de tout ça. Fait que bref, c'est bien le fun. Puis j'ai plein de belles choses à vous montrer. Mais avant, on commence par Pandémie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter également. Donc, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. Mixdeal, c'est quoi en fait? C'est une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société où en fait, je fais des vidéos règles, des playthroughs, des unboxings, des critiques, des entrevues, bref, pas mal de tout, des podcasts également. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre, en fait, sur YouTube. Et, entre autres, également, je suis streamers pour jeux.ca, où je peux faire tout plein de belles vidéos toute la semaine. Bon, 16e, un 16 à 16h, effectivement, Dragon Elvish, c'est pas mal concept aujourd'hui. Écoute. Fait que, sans plus attendre, on va starter ça, ce jeu-là. Puis on va regarder ça a l'air de quoi, cette application-là. Donc on commence ça tout de suite. Je me rends compte que j'ai encore les transitions de Montréal Joue. Je m'excuse. C'est changé, donc pour les prochaines fois, ça va être les transitions de jeu.ca. Hein? On refait tout le setting à la fin de tout ça, mais ça a passé tout droit. Je m'excuse. Bon, donc, on va vous partager ça. Donc, vous voyez à l'écran, et là, je vais remettre la petite musique et les petits effets sonores. C'est juste que c'était très fort dans mes oreilles. D'ailleurs, vous me direz, si jamais c'est trop fort pour vous, on va modifier ça. Fait que première des choses, comme d'habitude, on regarde l'interface. En fait, on fait le tour de tout le jeu pour voir c'est quoi cette bibitte-là. T'avais pas remarqué les transitions non plus, hein? Effectivement, c'est quelque chose de... Écoute, pensez à tout, pas pensez à ça. Fait que... Hey, salut Grimaro! Donc... You even sound cute in French. Thank you! So you speak English, I guess. Ça, ok, donc on va jouer à Pandémie. Donc, quand on regarde l'interface du jeu, on voit qu'on a le mode solo, on a le mode entraînement, et en plus de ça, on a le livret de règles ici, le crédit, les options qu'on a vues tantôt, c'est pas grand chose, c'est mettre le jeu en plein écran, pas afficher la bannière au début, les mouvements de la caméra, tout ça, enable animation, fait qu'on ira les changer si jamais... Si jamais ça fonctionne pas, the enemy talk in the past, I don't recall, but maybe, so far, but I think it's the first time that I talk in English in my stream, so I don't know, sorry. Ok, donc, ici, on voit qu'on a plusieurs options pour justement le jeu. Donc, on peut ajouter des défis parce qu'il y a une extension, en fait, qui existe au seuil de la catastrophe que j'ai pour le jeu. C'est la souche virulente qu'on peut ajouter. Donc, You work as a software developer. Not really, sorry. So, I think you maybe are taking me for someone else. I'm sorry. Et ici, en fait, on a le niveau de difficulté, donc introduction, standard, héroïque, légendaire, entraînement. Fait qu'on va se mettre à standard, I guess. Tu sais, avec 5 épidémies dans le jeu, ça va fonctionner bien. Les événements du jeu de base, on peut décider de ne pas les mettre ou de mettre ceux au seuil de la catastrophe à la place ou de ne pas en mettre
tout court. On va mettre les événements du jeu de base. Ok, ouais, c'est ça. C'est pour mettre la difficulté ajustée. C'est pour ajuster la difficulté du jeu et justement, dans le fond, l'extension, tout ça. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, ben là, on peut aller en solo et jouer au jeu. On va faire ça. Fait que vous me le dites dans le chat si jamais il y a quoi que ce soit, si c'est trop fort, pas assez fort, si vous m'entendez pas bien, whatever, vous me le dites. Et là, dans le fond, ça dit bienvenue dans Pandémie. Votre première partie va commencer. Ah, avec. Hey, je veux pas des paramètres adaptés aux nouveaux joueurs. Ok, on n'a pas le choix de faire l'intro. On peut pas skip. Ça, ça m'a amené dans les règles du jeu. C'est pas ça que je voulais faire. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a une façon qu'on puisse skipper le tutoriel? Sûrement. Si je quitte le jeu, mais que je reviens, est-ce qu'il va avoir déduit que... Oh, et voilà, c'est ça, ça marche. Le son est super. Oh yeah! Bon, les joies de passer des tests d'anglais, français et Word et sentir ma confiance sur mon français baisser. Ouais, effectivement, c'est... Ok, fait qu'on choisit c'est qui qu'on va jouer dans le jeu. Moi, j'aime bien ça jouer la médecin parce que c'est le médecin. Il est vraiment cool. Puis, au moins deux joueurs, la scientifique. C'est le mode le plus facile pour jouer à Pandémie, c'est ça, parce que le médecin, il permet de soigner plus efficacement. Et en fait, la scientifique permet d'avoir moins besoin de cartes pour créer un remède. Fait que tout ça fait en sorte que c'est pas mal, pas pire pour jouer. Donc, on ajoute un troisième joueur? Non, on va jouer au jeu comme ça. Il y a quatre maladies qui vont se propager dans le monde. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué à Pandémie de toute leur vie, ben aujourd'hui, c'est le moment où vous découvrez ce fabuleux jeu, qui est un jeu complètement coopératif. Donc, si on joue avec d'autres personnes, on joue tous contre le jeu. Et là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est guérir le monde de quatre méchantes maladies, quatre virus, et éviter, en fait, de mourir. En gros, c'est ça. C'est pas évident, par exemple. Ça a l'air facile de même, là. Pas super évident. Fait que là, en fait, ils sont juste en train de faire le setup de base et je me rends compte que ça va vraiment m'énerver, les animations. Fait qu'on va juste les enlever. Trouver vite un remède, blablabla. OK, ça, c'est notre défaut. Fantastique. OK. Parfait. Donc là, c'est à mon tour. Dans mon livre à moi, c'est un jeu solo, on connaît mon aversion des jeux coop. Effectivement, mais quand t'aimes ça, les jeux coop, il est quand même bon. Puis, il est le fun parce qu'il s'ajuste en difficulté. Fait que dans le fond, tu sais, c'est facile si jamais t'as de la misère, ben, dans le fond, de juste le mettre plus facile. Mais si t'es rendu bon, ben, ça te permet d'avoir plus de viabilité sur le jeu. Donc là, OK. On va dézoomer ça. Fait que là, on peut voir le monde. Et là, c'est mêlant parce que, tu sais, en pandémie, t'as comme juste une map. Mais là, la map, elle revient tout le temps. OK, comme ça, on voit la map au complet. Salut, Hugo Girard! Wow! Ça... Comment ça va? Fait que là, on teste Pandémie, en fait, aujourd'hui. C'est ça qu'on fait. Parce que ça, les mardis, je teste des applications mobiles de 4h à 5h. Puis à 5h, je parle de Kickstarter, hein? Je vais acheter ma bière. Bon, mais parfait, ça va. Tu m'en prendras une en même temps. OK. Bon, on focus. Fait que ce que j'expliquais, c'est que le monde, il y a plein de maladies. Vous voyez, les cubes, c'est des maladies, ça. Et il y a quatre virus différents de quatre couleurs différentes. Et en fait, chaque case qui représente une ville peut contenir maximum 3 cubes. Sinon, ça explose. C'est super ça. J'ai la saison 0 encore sous cello dans mon Kallax. Fantastique! T'as-tu déjà joué au jeu de base ou t'es lancé avec la Pandémie Legacy direct en partant? Fait que là, dans le fond, chaque ville peut justement avoir un maximum de 3 cubes. Et là, ce qui se passe, c'est que à mon tour, je peux faire un certain nombre d'actions. Et ensuite, ben, 4 actions, comme vous voyez sur le bas ici de l'écran. J'ai seulement joué au jeu normal. OK, parfait. Fait que t'as déjà joué à celui-là. J'ai hâte de voir, tu me diras ce que t'en penses de la saison 0. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Pandémie,
existe en version Legacy où là, le jeu se modifie au fur et à mesure que tu fais la campagne. C'est vraiment intéressant parce que là, tu colles des collants, tu déchires les cartes, tout le kit. Puis là, rendu à la fin, mais là, ton jeu n'est plus jouable. Mais t'as comme progressé dans une histoire, t'as découvert plein de secrets, c'est vraiment cool. Fait que bref, mais là, ça, c'est la version normale de Pandémie. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a des cubes. Donc, ce qui représente les 4 virus mortels. Et il y a maximum 3 cubes sur chacune des villes. Et là, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aller éradiquer ces maladies-là. Et comme il y a maximum 3 cubes sur chacune des villes, au fur et à mesure de la partie, après que j'ai fait mes actions, je vais piocher des cartes. Et parmi ces cartes que je vais piocher là, ben, je vais piocher des cartes des différentes couleurs, des 4 couleurs du jeu. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est ramasser assez de cartes pour pouvoir trouver le remède, qui nécessite d'avoir 5 cartes de la même couleur. Donc, par exemple, pour trouver le remède jaune, 5 cartes jaunes, et d'aller dans un laboratoire pour pouvoir, justement, faire le remède. Et là, ben, dans ces cartes-là, est mélangé des cartes épidémie. Et ces cartes-là, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va remettre plein de maladies partout, c'est pas bon, et ça va faire en sorte que ça va mettre à risque de perdre. Parce que pour perdre dans le jeu, il y a plusieurs façons que tu peux faire ça. Première façon, c'est que si jamais il faut que tu rajoutes un microbe sur le jeu, puis qu'il n'y en a pas, mais là, à ce moment-là, t'as perdu. Fait que, tu vois ici, t'as les compteurs pour chacune des maladies, s'il faut que tu rajoutes un cube, puis t'en as plus, t'as perdu le jeu. Et là, une autre façon de perdre le jeu, c'est que quand tu veux rajouter un 4e cube, ça marche pas parce que tu peux juste avoir 3 cubes sur chacune des villes. Donc là, ça crée une éclosion. Et ces éclosions-là, tu peux en faire seulement un certain nombre et après ça, ben, tu meurs. Et si tu passes à travers tout le paquet ici, tu meurs également. Donc il y a plein de façons de mourir. Salut P.A. Vigeant, comment ça va? Tabarouette, plein de beau monde dans le chat aujourd'hui, c'est le fun ça! Fait que c'est ça, t'as plein de façons de mourir, mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est survivre, faire nos 4 actions qui vont nous permettre de ramasser ultimement les cartes, essayer d'aller guérir des maladies aussi pour pas qu'il y ait 3 cubes partout, parce que ça va pas bien, comme je l'ai dit, là, si t'en as plus que 3, tu fais des éclosions, puis là, ça se ramasse partout, puis tu veux pas ça. Fait que t'essaies de contrôler les bibittes sur le tableau, puis en même temps, essayer de trouver des remèdes pour les maladies. Fait que là, tu peux faire plein d'actions, comme c'est marqué dans le bas de l'écran ici. Fait que tu peux te déplacer. Donc là, tu peux te déplacer dans une place adjacente, ça c'est une action. Ou tu peux encore défausser une carte pour t'en aller à la ville, ou défausser la carte de la ville où t'es, comme là on était à Atlanta, fait que je pourrais défausser Atlanta pour en aller n'importe où dans le monde, ou défausser Londres pour m'en aller à Londres, par exemple. Donc on peut faire ça. Raid! De quoi tu parles, Raid? J'en ai-tu eu un? Non, j'ai pas eu les alarmes qui m'ont fait faire des sauts dans le chat, fait que je pense que non. Donc, c'est ça, tu peux te déplacer un peu partout. Tu peux te traiter, parce qu'une fois que t'es rendu sur une ville comme là, tu vois, il y a comme 3 virus qui flottent, fait que moi j'ai envie de les traiter, mais tu peux faire ça. Et en plus, le médecin, lui, à place de juste traiter un cube par action, il traite tous les cubes d'une shot, c'est pour ça que je l'aime. Tu peux guérir, dans le fond, trouver le remède, mais ça te prend un laboratoire, ça te prend 5 cartes de la même couleur, 4 si t'es la scientifique. Tu peux construire un laboratoire en défaussant la carte de la ville où tu te trouves. Tu peux partager des cartes avec la personne qui est avec toi, mais il faut que ce soit la carte de la ville. Non, un glitch Twitch. Dommage, ça aurait été fun, un raid. Peut-être ça va arriver, peut-être. L'autre fois, on a eu genre un raid de joueurs sans fromage, c'est ça? De 60 personnes, c'était pas pire. Fait que c'est ça, fait que tu peux partager des cartes avec la personne qui est à côté de toi, mais il faut que ça soit la carte de la ville dans laquelle tu te trouves. Fait que tu vois, c'est un peu compliqué, mais tu peux faire ça. Ou tu peux prendre des cartes de la personne et t'as des cartes événements dans les mains, fait que tu peux jouer des événements ou tu peux passer ton tour. Fait que bref, c'est tout ça que tu peux faire. Et là, on est deux, faut qu'on aille faire ça, bref. Fait que allons faire ça. Donc premièrement, je me trouve à Atlanta, je suis le médecin. Et j'ai envie de traiter la maladie parce que 3 cubes et moi en plus, je vais les traiter one shot. Fait que fantastique. Ça, c'est efficace. Ensuite de ça, là, il me reste 3 actions. Je pourrais 1, 2, 3 me rendre là. C'est pas super efficace. Parce que Madrid aussi, il y aurait besoin d'être traité. Mais si je me trompe pas, le médecin, en plus de ça, traite tous les cubes d'une couleur en une seule action, retire automatiquement tous les cubes de maladie de sa ville quand la maladie est guérie. Parce que c'est le spécialiste en infection. Lui, quand il se trouve dans une ville, tu peux pas mettre de cubes. Fait que lui aussi, il est intéressant.
Fait que ce que je pourrais faire, c'est aller me placer là. Fait que le prochain tour, je vais pouvoir traiter Buenos Aires et m'en aller à Madrid pour traiter Madrid également. Sinon, je défausse Londres, je m'en vais là et je traite Madrid. On peut faire ça. On est au début du jeu. On peut se permettre de défausser Londres. Ouais, on veut se déplacer ici, en avion, en défaussant ma carte de Londres. Et voilà. Fait que là, il me reste deux actions. Je me déplace là et je traite Madrid. Fait que là, prévision, c'est qu'est-ce que... Oh! Je voulais pas la jouer. Damn it. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'elle faisait. OK, ne cliquez pas sur vos cartes si vous voulez pas les jouer, guys, parce que... Trop tard! OK, fait que ça montre quelle carte va tomber, mais c'est intéressant quand même. Fait qu'on va prendre l'information là. Fait qu'on sait que la prochaine carte à être pigée, c'est Alger, qui est quelque part dans ici. Après ça, Londres, qui est juste ici. Los Angeles, Taipei, qui est ici, Téhéran et Chennai. Fait qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de cube pour les prochaines. Fait que ça va bien. C'est ça. Oui, effectivement, c'est ça le désavantage des jeux numériques versus en vrai, parce qu'en vrai, ben j'aurais pas fait ça, mais là, ouais, c'est pas grave. Écoutez, ça va bien aller, là, je le file. Fait que là, une fois que ben, j'ai fait mes 4 actions, hein, 4 sur 4, c'est le fun parce que t'as un suivi ici. Ben, je vais terminer mon tour, ce qui va me faire piocher des cartes ici, puis qui va me faire piocher des cartes ici pour faire réapparaître des cubes. Donc, on va aller là, piocher Chicago et Kinshasa. Là, je vais scraper des noms de villes, je m'excuse. Comme je scrape le nom des personnes, je scrape les noms de villes également. Nouveau tour! Oh, ils font des conseils! C'est bien cute! Vous aurez besoin de récupérer 5 cartes villes de la même couleur afin de découvrir un remède, ce qui est pas vrai parce que je m'en vais jouer la scientifique. Elle, son pouvoir spécial, c'est découvrir un remède avec 4 cartes villes. Et là, ce qui est vraiment cool, vous voyez ça? On en a comme 3. Là, on pourrait se retrouver à Tokyo. Ça serait compliqué. J'ai plus de chances de comme piocher directement la carte. Une carte rouge que d'échanger de Tokyo avec le médecin. Mais là, on est comme... Le médecin est dans le plein milieu de la map. Puis ça, c'est à l'autre extrémité. Pas un bon plan. Pas un bon plan. Mais là, le prochain risque d'éclosion, c'est à Buenos Aires. Parce que tu vois qu'il y a 3 cubes. C'est la seule place où il y a un gros, gros risque d'éclosion. Fait que j'ai comme le goût de faire 1, 2, 3. Quatrième action, j'irai là. Puis je traiterai. Je pense que ça serait comme... pas mal la seule chose intelligente que je peux faire de dedans mon tour. Ou je défausse Atlanta et je m'en vais directement à Buenos Aires. Comme ça... Bof, j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Fait que je veux pas faire ça, fait que je vais me déplacer là. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'aime moins. Mais c'est cute parce que là, t'as le bruit d'auto, là. Ça m'a déconcentré, je m'excuse. Mais c'est peut-être quelque chose que j'aime moins du jeu. Tu sais, autant pour la carte, comme on a vu tantôt, que là, pour le déplacement. Si je clique par erreur à quelque part dans le tableau, là, ben, c'est ça que ça fait. Ça fait tout de suite l'action. Il te demande pas de confirmer. Fait que là, hein, le risque d'erreur est grand. Fait qu'on va traiter. Et voilà. Fait qu'au moins, Kinshasa était bien prononcé. Je serais déçue si Montréal est mal nommé. Montréal, dragon Elvis, c'est comme ça qu'on dit? C'est pas vrai. OK. Fait que, terminer le jeu. Ben, mon tour. Piocher les cartes. Pas de cartes rouges, juste pour faire exprès. Ça, c'est triste. OK. Et là, c'est le tour du médecin. Fait que vous voyez, c'est très simple, hein? On fait ça, le jeu embarque. Tout le kit. OK. Fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est la question. Est-ce que je suis si loin que... Ah, mais elle pourrait se rendre à Tokyo avec sa... Ah, et puis à Atlanta. Zut! Est-ce que j'aimerais ça, lui donner ma carte Tokyo? Elle pourrait trouver le remède comme ça. Sinon, je pourrais aller construire un laboratoire ici,
avec ma carte de Kinshasa. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir un laboratoire plus proche. Parce que t'as pas besoin d'être dans la couleur pour trouver le remède de la couleur. Ce serait comme centralisé sur la carte. Ou à Khartoum, ils sont encore plus proches. C'est vrai, 1, 2, 3, puis je m'en vais là. Puis là, pour l'instant, t'as pas nulle part où t'as un risque d'éclosion pour l'instant. Fait que je pense que faire un laboratoire, ce serait peut-être un bon moment pour le faire. Surtout qu'il est proche de trouver le remède, là. Fait que si on peut avoir quelque chose de proche, ça pourrait être intéressant. Et voilà. Et là, ça termine mon tour comme ça. On pioche les cartes. Moscou et Washington, ça va bien. Téhéran. Là, c'est pas pire parce que tant qu'on pioche pas dans les cartes joueurs, la carte épidémie, mais là, ça explose pas, tu comprends? Mais quand on va piocher ça, par exemple, ça ira pas bien tout de suite. Ok, on va voir ça. Ok. Moi, de mon côté, j'aimerais vraiment ça avoir une carte rouge. En attendant d'avoir une carte rouge, par exemple, pour jouer stratégiquement, je suis comme loin de tout. Je pourrais me rapprocher un peu par ici. Traiter, rapprocher, m'en aller genre vers Paris. Pour être un peu moins, tu sais, à l'autre bout du monde. Là. Ou traiter, puis m'en aller à Madrid. Ça fait pas grande différence. Tu sais, au moins, là, je suis plus centralisée. J'ai l'impression que je suis comme moins loin de tout. Terminer mon tour là. Piocher les cartes. Oh yeah! Et voilà. Scientifique a trop de cartes en main. Il faut défausser parce qu'on a une limite de 7 cartes en main. Fait qu'on ne défaussera pas la rouge. On va défausser Atlanta. T'aurais-tu vu ça que genre par erreur je défausse la rouge? Comment ça aurait été choquant? Ok, le médecin maintenant. Ok. Fait que là... J'ai l'impression que c'est pas tant compliqué comme partie. Je sais pas si la partie introduction. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épidémies qui sont ressorties. On pourrait se diriger vers Moscou. Est-ce qu'on a, nulle part qu'on a un gros risque d'éclosion? Mais si on se dirige vers Moscou, ou en fait non mieux que ça. Parce que le médecin, son pouvoir spécial, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le remède, quand il se déplace... Il guérit automatiquement les cubes. Et là, l'affaire dans le jeu, c'est que si jamais tu t'as trouvé le remède et que là, tu as réussi à faire en sorte que durant ton tour, il n'y ait plus zéro cube de cette couleur-là sur la carte, ben la maladie est éradiquée. Fait qu'il n'y a plus de cubes de cette couleur-là qui peut arriver. Je pense que le meilleur move, ça serait de me diriger vers Tokyo puis attendre, en fait, que mon tour se termine. Qu'elle trouve le remède et ensuite que je traite toutes les cubes rouges. Je peux en traiter en attendant là, quand même parce que je suis là, on s'entend. Puis il me reste deux actions, fait que je peux aller jusqu'à taper. Là, comme ça, on aurait peut-être une chance d'éradiquer direct en partant la maladie rouge. Ce qui serait vraiment bien parce que comme ça, ça serait plus facile. Oh oh! On a pioché une épidémie. Fait que la vitesse de propagation augmente à 2, ce qui veut dire que maintenant, on va piocher... Ben, en fait, elle reste à 2, mais elle augmente. Ce qui veut dire qu'on pioche 2 cartes à chaque fois qu'on va piocher des cartes pour répandre la maladie. En plus de ça, toutes les cartes qui étaient dans la défausse, qu'on sait qu'ils ne revenaient pas, ben là, reviennent. Fait que c'est une bonne chose qu'on ait éclairé toutes les places où il y avait 3 cubes pour éviter qu'il y ait une éclosion, parce que là, ça peut arriver. Et en plus de ça, ils ont pioché une carte parmi celles-là. Et ils ont foutu 3 cubes. Fait qu'il y a une place où il y a 3 cubes en ce moment, qui est à Chicago. Fait que moi, je veux trouver le remède. C'est ça que je veux faire. Mais je pourrais... 1, 2, 3, 4. Ouais. On va se déplacer à New York. Oh non! Je pensais que c'était Chicago. 1, 2, 3, 4. Non. Yipsi. Ou 1, 2, 3, 4. Non. Pas bon non plus. Ben au moins, ça me rapprocherait. Fait que, ok, je pense qu'on va quand même s'en aller à New York.
Mais pas besoin d'utiliser ma carte, en fait, parce que c'est à côté, on s'entend. On va juste... 1, 2, 3... Guérir. Oh yeah! Et voilà, une de 4 de fait. Et là, ça met fin à mon tour. Fait que là, on va juste croiser les doigts pour qu'on pioche pas Chicago. OK. Taper, c'est correct, on est dessus. Fait que ça disparaît automatiquement. Non! On a pioché Chicago! Oupsie! Fait que là, vous voyez, on pouvait pas rajouter de cubes sur Chicago. Fait qu'à la place que ça le fait, ce qu'on appelle une éclosion, hein? Fait que là... ça l'a envoyé un cube partout où c'était relié. Et ça nous a fait avancer sur l'échelle des éclosions. Fait qu'on voit que si on se rend là, on explose. On veut pas se rendre là. Fait que toi, la seule chose que tu peux faire d'intelligent à ton tour, c'est ça. Et on a éradiqué le virus rouge. Oh yeah! On a éradiqué le virus rouge. Il te reste 2 actions. Tu vas te ramasser à Chicago, toi, pour me clairer ça. Et tu vas traiter Chicago. Bon, au moins. Parce que là, on veut pas d'autres éclosions. Je pense que quand même, overall, c'était un bon tour. Et on est très proche de pouvoir faire le remède noir. En fait, faudrait que j'y donne toutes les cartes noires. Je peux pas. Faudrait que j'y prenne des cartes noires. Ou que j'en pioche. Peut-être si je suis chanceuse. Fait que là, il se passera plus rien, là, de tout le truc, à part s'il y a une éclosion de la maladie noire, là. Puis ça s'annonce-tu comme une victoire? Je sais pas, mais le tour, il était pas pire. On a trouvé le remède rouge, non seulement ça, mais on a éradiqué le virus rouge. Fait que je me sens confiante, mais on a eu aussi une éclosion. C'est ambigu. C'est ambigu, mais je pense que c'est pas pire. Bon. Fait que là... Il y a du stock qui se passe là. Toi, tu vas aller à San Francisco. Puis là, tu peux en avoir 3 de chaque type. Là. Fait que les 3 qui flottent comme ça, c'est pas la fin du monde. Là, parce qu'il y a encore de la place à Mexico pour avoir une autre maladie. Fait qu'on va s'en aller à San Francisco, nous autres. Éviter qu'il y ait une éclosion là-bas. Et là, tant qu'il n'y a pouvoir rien faire d'autre d'intelligent à mon tour, je vais juste... traiter 2 fois à San Francisco. Là, ça fera pas de tort anyways. Comme ça. Non! Épidémie! Istanbul. Oh oh. On en remélange. Ouf! Le Caire. Oh oh. Et ça va pas très bien. OK. Fait que c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Tu vas t'en aller à Istanbul, puis tu vas aller régler ça. Fait que lui, il va gérer juste les éclosions comme ça, là, pendant qu'on va essayer de trouver les remèdes avec la scientifique. Parce que sinon, c'est dangereux. Ça, c'est un pas pire tour. Tabarouette, il y a de l'ambiance. C'est dur, c'est dur. La survie de l'humanité est entre nos mains. OK. Je pense que c'était correct comme tour. Alors... Oh! Oh! Scientifique, ça vient... Non, c'est pas scientifique, ça, c'est lui. Damn it. Parce que là, on est proche du remède bleu. On est vraiment proche. Si on se retrouve à Milan... Milan, c'est là. On pourrait se retrouver à Milan. Je pourrais y donner le remède. Puis après ça, lui, il pourrait me donner des cartes noires. Hey, ça, c'est une bonne idée. Mais je me rends pas tout de suite. À moins que je dépense New York. Je pourrais dépenser New York pour y donner Milan. 1, 2, 3, 4. Ça serait mon action du tour. Est-ce que j'ai d'autres choses de plus urgent? Non. Ici, il y en a 2. Là. T'sais, on s'entend que ça peut mal aller à Mexico. Mais je pense que ça va être quand même correct pour là, parce qu'on a encore de la place pour un cube. Là. D'après moi, on peut se rendre à Milan. Lui, il peut récupérer la carte à Milan, puis faire le remède. Et après ça, il peut me donner des cartes. On pourrait trouver 2 remèdes d'un coup, ça pourrait être vraiment bon. OK.
Fait que je me téléporte à New York avec ma carte New York. Et là, je m'en vais à Milan. Et ça finit mon tour. Continue à faire ses propagations ou jouer un événement. Ah, c'est peut-être parce que j'avais cliqué sur jouer un événement tantôt que ça l'a joué la carte événement. Ça se pourrait. Ça se pourrait parce que sinon, je sais pas pourquoi ça a joué tout seul. OK. Là, c'est excitant, là. Fait que là, 1, 2, on fait partager et j'y prends 1000 ans. Médecin a trop de cartes. C'est quoi jouer un événement? Nuit tranquille. Non, j'ai rien. Défausser. Défausser le jaune, mettons. Ou peut-être pas. Attends, là. C'est parce que si je peux me téléporter, Kinshasa, c'est où? C'est là, Kinshasa. Non, ça fonctionne pas. Moscou puis Mumbai. Je pourrais y donner. Ouais, ça va être lui que je vais défausser. Et là, il me reste une action. Ah! Je vais me diriger vers Moscou pour aller lui donner. On va défausser Santiago puis Bogota. Ou si on va se ramasser à Moscou, je peux défausser Mumbai. On va faire ça. Parce que je veux pas trop défausser de la même couleur, parce qu'après ça, tantôt quand on va vouloir trouver le remède, ça fonctionnera pas. Tant que c'est pas Téhéran, ça va être correct. C'est-tu le fun, ça, de piocher des cartes rouges puis qu'il y a rien qui se passe? C'est satisfaisant. OK. Donc là, ma scientifique, toi... Tu veux finir à Moscou. Est-ce qu'on peut faire 1, 2, 3, 4? Ça serait compliqué. Mais si c'est ça qu'il faut pour sauver le monde. Ouais. De toute façon, peut-être que d'ici là, elle va trouver, tu sais, tout seul une carte noire, là. On va traiter. Je sais pas pourquoi qu'il y a d'éclosion à Téhéran, là. Ok. Non, mais on se ramasse proche. Bon, faut défausser des cartes. On va défausser celle-là qui ne sert absolument à rien. Et jouer une carte événement parce que. Ne faites pas la prochaine phase propagation des maladies. Je l'aurais gardé pour tantôt, ça, par exemple. C'est satisfaisant de pogner des cartes où il n'y a rien qui se passe. Est une phrase plutôt intéressante car elle contredit mes lois de game design comme quoi il y a toujours des exceptions. Effectivement. Ah, mais là, c'est pas le bon moment de jouer celle-là. T'sais, on n'est pas encore dans la chnoutise pour jouer ça. Salut tout le monde! Hey, salut le bon vieux Thibaut Escobar! Comment ça va? Est-ce que t'as déjà joué à Pandémie Thibaut Escobar? Parce que là, on essaie de sauver le monde. C'est pas facile. OK, mais j'aurai pas le choix parce que je veux pas... je vis bien. Parfait. Fantastique, ça. Ouais, parce que je veux pas défausser les autres parce qu'on est proche du remède jaune aussi. C'est pas facile. Fait que ça va être toi. Attends-toi, t'as tout ce qu'il faut... Ah, c'est ça! Ben, toi, tu t'en vas traiter le remède bleu. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, t'as même le jeu! Cool! Fait que là, on essaie la version du chat. Ça va bien, je l'aime bien, pour vrai. Mis à part des accros au début, que j'ai joué des bonnes cartes que j'aurais pas dû jouer au début, tout se passe bien. OK, fait que là, t'as fait ça. Et là, moi, j'ai comme envie que tu te ramasses à Bogota pour aller traiter le Mexique. Ou tu t'en vas à Moscou pour y donner la carte après. Ah! Tu peux pas te rendre à Moscou. On va faire que tu te débrouilles toute seule, fille, pour trouver les cartes. Ah, c'est difficile. Je sais pas quoi faire.
Parce que là, elle... Ah, c'est comme intéressant, là. Et genre, une carte, t'es deux. Mais là, moi, si je me ramasse à Bogota, elle peut pas venir me rejoindre pour ramasser la carte. Puis je peux pas me ramasser à Moscou. C'est triste. Ben, Bogota it is. On va se rendre là. Pour le prochain tour, aller traiter le Mexique et les possibles éclosions. Ce qui met fin à mon tour. Oh oh. Ah, puis on sera à la fin des épidémies. Oh oh. C'est stressant, ça. Tu sais, le moment où t'aurais voulu garder ta carte, c'est là, là. Attention, il vous reste que quoi? Et on dit attention quoi? Ok. Mais là, on va aller... Ouf! Est-ce comme pas le fun, là? On va aller traiter Riyad, là, pour éviter une éclosion, là. Et là, ben, comme il ne reste pas d'autres actions, je vais faire ça. Finissez votre tour, annulez votre dernière action. J'ai fini mon tour. Oh! Remède jaune, it is! Ouais, je sais, faut que tu défausses quelque chose, maintenant. Défausser, on va défausser la rouge. Parce que les rouges, est, non seulement elle est traitée, mais elle est éradiquée. On va faire ça. Ouf. C'est comme stressant cette histoire. Ok, c'est autour de mon médecin maintenant. Ok, fait que là tu t'en vas là, puis tu traites tout ça, ok? Première des choses. Est-ce que tu peux faire quelque chose d'intéressant, genre... Tout Bagdad. Parce que Madrid, là, Madrid est en péril. Mais Moscou est là, puis Bagdad est là. Fait que même si je me téléporte, il me reste deux actions, je peux pas me rendre à Moscou. Fait que je vais faire du voyage pour traiter la maladie. Je sais pas quoi faire, donc. Là, on piège trois cartes de propagation à cause que la vitesse de propagation... Attention, il me reste très peu de cubes. Ok, c'est ça qu'il me disait. Mais je sais qu'il reste peu de cubes. Arrêtez de me stresser. C'est pas gentil de stresser le monde de même, Seigneur. Ok. Remède jaune, itis, on va faire ça tout de suite, fille. Eh bien, là, on va passer par le... Oh yeah! Fait que là, il reste juste le remède noir, puis on a gagné, guys. Mais tout peut exploser encore. J'irais pas caler qu'on a gagné encore. Ah, oh, mon Dieu, tes reins étaient sur le bord d'exploser, parlant d'explosion. Ah! Madrid pis tes reins sont sur le bord d'exploser. Y'a rien que je peux faire. Je vais m'en aller ici. Comme in between les deux. D'un coup que... Ok. Termine son action là. Oh! Ok. Si le monde n'explose pas, on a gagné. Salut Montréalos! Oui, c'est pandémie. On est à la fin de la partie. Mais là... Techniquement, on a les cartes qu'il faut pour trouver le dernier remède. C'est ça l'état de la situation. Fait qu'on a trouvé trois remèdes sur quatre. On a les cartes qu'il faut pour trouver le dernier remède avec ma scientifique, mais il faut pas que le monde explose avant ça. Fait que toi, Bagdad, Le Caire, puis Moscou, ben si t'en vas à Le Caire, tu vas pouvoir traiter Madrid. Fait que tu vas voler à Le Caire avec ta carte. T'en aller là. Hey, puis ça se traite automatiquement. C'est pas le fun, ça. Tu vas t'en aller à Londres. Il n'y a rien d'autre.
que je peux faire malheureusement à mon tour. Tu vas l'apprendre en me regardant. Victoire, ça doit être à Izzy. Je sais pas, j'ai essayé de... Moi, j'avais pas mis la difficulté à Izzy. Mais je sais pas si le jeu me l'a mis comme automatiquement. Je sais pas. Mais là, n'est pas la question. On pioche les cartes, et si le monde n'explose pas... Ce qui devrait quand même bien aller... Oh, on peut jouer une carte événement. Qu'est-ce qu'on a? Support aérien. Déplacer n'importe qui dans n'importe quelle ville. Ça n'a absolument rien. C'est useless. Continuez avec la... Ouais. Avec la musique en plus. Après ta partie, tu en joues une autre. Non, après ma partie, en fait, on tombe à mon nouveau segment qui est Kickstarter Café, où je vous présente des Kickstarter de la semaine. Ça va être vraiment, vraiment cool. Fait que non, malheureusement. Mais, par exemple, si tu veux apprendre le jeu et voir comment est-ce que... Ben, on va finir le tour avant. Et comment est-ce que on vient de gagner la partie, genre, là? Ben, ça va être en rediffusion sur Twitch, mais également sur ma chaîne YouTube. Je m'exile. Oh boy, on pourra parler de Stellaris, indeed. Indeed qu'on va parler de Stellaris, spoiler alert. Hey, il y a même la petite musique. Oh! Il y a la petite musique de la victoire, vous avez-tu entendu ça? C'était bien cute! Tabarouette! C'était pas pire, ça? J'ai bien aimé ça! Je pense qu'ils ont pimpé l'app, parce que la dernière fois que j'ai joué à Pandémie, ça remonte à longtemps là, sur version digitale, c'était pas beau de même. Là. Ils ont fait de quoi? Je sais pas quand ils ont fait ça, là, parce que ça fait longtemps, là, ça fait peut-être un an ou deux que j'ai joué à Pandémie. T'as vu comment qu'on gagne, effectivement. Mais tu vas pouvoir voir le reste si tu veux sur Mixdeal. Tabarouette! Mais c'est le fun! J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je sais pas à quelle difficulté on était, par exemple. Je vous mentirai pas, là, parce que je pense que c'est sur quelle plateforme? C'est sur Android, mais c'est également disponible sur votre téléphone iPhone aussi. C'est disponible sur Steam. C'est disponible aussi sur la Switch. C'est disponible partout. Fait que c'est vraiment le fun. Mais si vous avez la version physique à la maison, vous pouvez même jouer, dans le fond, avec votre version physique, c'est la même chose. Mais il n'y a pas les petites animations, la petite chose stressante, puis la petite personne fatigante qui dit de temps en temps « Attention, là, t'as plus de cube, là, tu vas mourir. » Puis là, t'es comme « Je le sais! Arrête de me dire que je vais mourir! » J'ai joué pas mal à cette app et c'est à mon avis la meilleure version pour y jouer. C'est vraiment le fun. Au diable le vrai jeu physique, au diable le multijoueur. Savoir, c'est clairement genre l'opposé de tous les joueurs de jeux de société. On s'excuse dans le chat, ils voulaient pas vous offusquer. Mais non. Mais effectivement, il y a certains jeux de société, quand tu te dis pour jouer en solo, des fois, la version mobile... Non! Effectivement, Marialo, je suis d'accord avec toi. Mais la version mobile, des fois... Des fois, là, quand tu veux jouer solo, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas tendance à m'installer avec un jeu, tu sais, pour jouer solo. Mais par contre, m'installer pour jouer à une application comme ça, tu sais, ça prend 2 secondes, tu l'ouvres, t'as des animations, c'est rapide, pis c'est le fun. En 4 heures, en vrai, tu fais 2 games. En ligne, je m'enclenche 8. Mais c'est pas la quantité qui compte, savoir, c'est la qualité. Fait qu'on ratera pas ça tout de suite. Mais là, tu vois, tu peux recommencer, faire une nouvelle partie, aller au menu principal. Vraiment, vraiment satisfaite. Très, très, très satisfaite de mon essai d'aujourd'hui. Version numérique égale parfait pour apprendre avant de jouer en vrai. C'est vrai, ça aussi. Apprendre à jouer en version numérique, c'est plus facile. T'as le tutoriel, c'est interactif. T'sais, c'est comme la vidéo règle, mais comme un next level. Parce que là, tu sais, c'est une chose de... que quelqu'un te dise comment faire, mais c'est une autre chose que quelqu'un te dise « Ok, c'est le même que tu le fais, maintenant fais-le, tu sais. » Fait que ça, c'est intéressant. Ouais. Je sais pas vous, là, moi j'ai bien aimé ça. Fait que je vais le fermer. Fait qu'on va s'en aller. Je vais fermer l'audio.
et on va s'en aller à la scène principale avec, ouh, une transition de jeu.ca. Avez-vous vu ça, comment j'ai pas mis de transition de Montréal Joue? Ça, j'ai trop aimé Montréal Joue, guys, pour ça j'ai laissé les transitions, je m'ennuie de Montréal Joue. Je me souviens du Alpha Gamer lorsque le jeu est sorti. Oh, hein? Ouais, ça c'est une des choses avec Pandémie, c'est vrai. C'est le jeu, je pense, qui a donné naissance au Alpha Gamer. C'est un des premiers jeux, je pense, qui a été populaire, quoi. Aussi parce que Pandémie, c'est vieux, là. Les versions que vous avez à la maison, c'est rien, parce que ce jeu-là, il est sorti il y a vraiment longtemps, puis les premières boîtes, là, c'est une antiquité, là. C'est quasiment une... C'est une version de collection. Mais l'affaire, le problème avec Pandémie, c'est que quand tu joues à 4, parce que ça joue jusqu'à 4, jusqu'à 5, si t'as l'extension au seuil de la catastrophe, ben là, à ce moment-là, c'est que t'as tout le temps un joueur qui sait plus jouer que les autres. Puis là, il est comme, je veux pas te dire quoi faire, mais là, à ton tour, tu devrais faire ça, puis tu devrais faire ça, puis tu devrais faire ça. Puis moindrement que t'as un joueur qui est comme un peu plus gêné à ta table, tu sais, qui parle moins, qui commence dans les jeux, ben là, il va écouter ce que l'autre dit. Puis là, finalement, tu vas te rendre compte, à la fin de la partie, qu'il y a une personne qui a joué le jeu, puis les autres personnes ont juste servi de pion pour déplacer les choses sur la carte. Fait que ça, c'est un peu plate. Faut faire attention quand on joue à des jeux comme Pandémie, surtout quand t'as de l'expérience. Tu sais, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais vraiment attention pour pas tomber là-dedans. Des fois, c'est facile, tu sais, tu vois la solution, mais le but, c'est pas de donner la solution aux autres, c'est vraiment de laisser les autres discuter, tu sais, puis prendre des décisions, puis faire des erreurs, tu sais. tu files le monde avant de faire ta soirée, effectivement. Ça, c'est l'important quand tu fais des soirées de jeu, c'est toujours de filtrer avec qui tu vas jouer, hein, parce que c'est ça. C'est pas tous les jeux qui sont bons pour jouer avec tout le monde, fait que faites attention à ça. Au fur et à mesure que tu joues à des jeux, bref, tu découvres ça. Hey, mais c'était vraiment le fun! Si c'est pour aider la personne, ok, mais tu laisses la personne jouer. Effectivement. Parce que moi, j'ai vu des parties où c'était affreux, là. C'était à peine si la personne était comme, mais non, mais tu sais, puis là, elle déplaçait le pion à la place de l'autre personne, là, t'es comme, bon, ok, tu sais, si tu voulais jouer en solo, tu pouvais, tu sais, mais ouais. Fait que c'est ça, c'était Pandémie. Mais j'ai pas vu dans l'application de façon de jouer en passe et joue, mais comme c'est un jeu avec pas d'informations cachées, tu peux passer la souris ou le téléphone in between les rôles, puis jouer avec tes amis ou avec ton chum ou ta blonde aussi. Fait que ça, c'est cool. Puis tu peux jouer en ligne, je pense, hein? Fait que assez complet. Fantastique. Fait que là, dans 4 minutes, on va faire ça, Kickstarter Café, parce que c'est mon prochain segment, hein? De plus, si c'est dans un espace public, ouf, effectivement, quand tu joues à ça dans les cafés ludiques, là, pis là, en plus, avec la grosse musique autour, tu t'entends à peine parler, pis tout, là, avec des gens que tu connais pas. Mais, par exemple, quand t'as quelqu'un, tu sais, qui a de l'expérience, pis qui est là pour animer le jeu, pis tu sors Pandémie avec des nouveaux joueurs que tu connais pas, c'est vraiment une bonne façon de déjeuner tout le monde. Pis de starter des conversations, apprendre à connaître les gens avec qui tu joues. Moi, je trouve que c'est vraiment une façon efficace de faire ça. C'est un de mes go-to quand j'arrive dans un café ludique, surtout au Café Dragon, là, c'est là que je chill en général, ou chillais. En général, ben à ce moment-là, tu sais, c'est un jeu que tu sors, c'est facile à expliquer, c'est facile à montrer à tout le monde embarque, puis là, ben quand t'as quelqu'un qui est là pour modérer, qui n'est pas de alpha gamer, ben ça se fait bien, tout le monde ensemble. Celle qui veut tout faire, tu l'invites juste pour un jeu que tu domines totalement et tu la ramasses en monde compétitif. Ouais, ça pourrait être une bonne technique. Ça, c'était une podcast que je voulais faire d'ailleurs. Ça n'a aucun rapport, mais tu sais, on est comme parti dans le sujet. C'est une podcast que je voulais faire, ça, sur les mauvais joueurs. Tu sais, juste parler de cas. Mais j'en avais parlé avec Elsa, en fait. En fait, je pense que, oui. Hey, ça fait un an, c'est parce que ça fait longtemps, c'est comme les premiers podcasts qu'on a fait, mais sur la podcast de Lydipsy, j'avais fait ça avec elle, une podcast qui s'appelait « Mauvais joueurs ». Puis là, on parlait de tous les types de mauvais joueurs, tu sais. Mais aussi, on venait à la conclusion qu'un jour dans la vie, tout le monde est un mauvais joueur, tu sais. On passe tout inévitablement par là. Mais ouais, super intéressant comme point que vous avez soulevé dans le chat.